Hey, salut! Aujourd'hui, on est dans mon atelier. J'ai décidé de fabriquer un mini pegs. Parce que ça fait quelques semaines que je me dis que je vais finir par mettre des mini pegs sur mon vélo parce que les pegs me gênent. Au lieu d'acheter un pegs à 20 balles et pas m'en servir, je vais en fabriquer un. Comme ça, je peux le tester. Je vais vous montrer comment on fait. Donc, pour le coup, c'est pas compliqué. Il suffit d'avoir un écrou de roue. Comme ça. Et un embout. En fait, ça c'est le bout d'un guidon que j'ai coupé. Du coup, c'est ça qui va faire office de pegs, quoi. C'est un vieux guidon, il est moche. Autant le couper, il ne me servira à rien. Je prends une scie à métaux. Dis donc, c'est la magie du montage. J'avais déjà un bout de coupé. C'était juste pour vous montrer qu'il fallait couper un bout de guidon. Ce que j'ai fait sur mon écrou, j'ai fait une encoche pour pouvoir mettre une clé de 17. J'ai fait ça à la lime, ça m'a pris 7 heures, non je déconne, j'ai fait ça à la meuleuse, ça m'a pris 5 minutes. Voilà, alors, l'étape suivante, j'ai mon entretoile, qui est plus de la même couleur que le guidon parce que c'est un autre. Oh, le mec il triche. J'ai mon écrou modifié, j'ai mon axe de roue qui déborde un peu du boulon, je sais pas si vous voyez. Du coup, ça, je le mets comme ça. L'autre, je le visse, je prends ma clé de 17, je le serre, et voilà, je viens de vous faire économiser 20 euros. C'était comment faire un faux pegs. Là, plutôt, je vais les mettre sur la roue. Il y a d'autres tutos mécaniques qui sont par ici. Et là, il y a vous abonner. N'hésitez pas à le faire. Comme ça, vous aurez d'autres vidéos.